aura un petit retard. Balkoum Saïd. من الأول ساعة ندوة باش يقوم الدكتور محمد الطالبي ايسي مام باش يقوم بتقديم كتاب الدكتور طارق رمضان الإسلام طبعا والصحوة العربية. مرحبا بكم الناس الكل. Merci à vous, merci pour cette attente. On s'excuse encore une fois. Nous avons parmi nous deux éminents professeurs, deux éminents docteurs, deux islamologues, deux penseurs, deux philosophes, peut-être même l'avenir de l'histoire devant nous. Commençons par le doyen, Dr Mohamed Attal. Premier doyen de la faculté des lettres de Tunis, islamologue, penseur, penseur libre certainement. Docteur Mohamed Attalbi parmi nous. Liatma Enna Kalbi, docteur. Avec nous, professeur Tarek Ramadan. L'islam est le réveil arabe. Al-Islam. L'islamologue, le penseur, 2004, nommé par le Time Magazine, parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, parmi les 100 penseurs les plus influents au monde. Par le Foreign Policy USA. Pour les autres qui connaissent mieux, on se dit entre nous, c'est celui qui a fait taire les Lévi, les Finkielkraut, les Adèle, les... Je ne comptais pas, lui, le Zemmour. Je parlais des penseurs, des philosophes. Alvin Warba, pour ceux qui s'en rappellent encore, et un débat avec un président, Monsieur Nicolas Sarkozy. Donc, parmi nous, le fameux, le docteur, l'islamologue, Tarek Ramadan. Donc, je pense que je vais vous donner tout d'abord un petit mot de bienvenue de M. Tarek Ramadan. Ensuite, nous écouterons Dr Talbi, qui fera une présentation du livre de M. Tarek Ramadan, L'Islam et le Réveil Arabe. Marhaba bik fi Tunis, Dr Tarek Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة D'abord, je tiens à vous prier d'excuser ce retard qui est dû au fait que la visite est très courte et qu'on a essayé de condenser tout ce qu'on a pu et que je ne pouvais quand même pas venir après 23 ans en Tunisie et à Tunis sans aller voir quelques endroits font la beauté de ce pays et donc le temps ajouté au temps fait que nous vous avons fait attendre et j'ai demandé et prié le professeur Mohamed Talbi de nous excuser de ce retard aussi puisque c'est au doyen qui est dû le respect du jeûne et ce serait à moi d'attendre et non pas à lui. Cela étant,
après 23 ans, d'abord j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes, les femmes et les hommes autour de la librairie El Kitab qui ont vraiment organisé cette visite de façon magistrale depuis l'arrivée hier matin jusqu'à maintenant et entre le panel de discussion que nous avons hier, les rencontres et puis les rencontres aussi à la librairie ce matin et puis cette rencontre avec vous dans ce superbe lieu. Vraiment, je tiens à les remercier infiniment avec une première visite beaucoup trop courte, mais Inch'Allah, elle sera suivie d'autres. J'ai vraiment l'envie et l'intention de pouvoir apprendre de votre expérience historique. Vous avez beaucoup de choses à vivre encore, la situation n'est pas facile, et vous avez beaucoup aussi d'attentes de la part du Moyen-Orient, d'autres pays majoritairement musulmans et arabes, qui sont en train de regarder ce qui se passe en Tunisie. Donc je vous remercie, vous ne vous rendez pas compte souvent, je suis arrêté dans la rue par des gens qui viennent me saluer, qui viennent me dire combien tout ce combat ou toutes ces interventions les ont aidés ou combien ils sont contents d'entendre cette voix. Vous ne vous rendez pas compte, vous, au moment où vous venez ici, de voir la chaleur humaine que vous avez exprimée depuis que je suis arrivé, ces mots d'encouragement, votre présence maintenant. Je vous promets que plus que tous les débats avec n'importe quel intellectuel de France ou d'ailleurs, la force, après celle qui me vient de ma foi, elle vient de celle de cette communauté de foi dont vous êtes les porteurs majoritairement ici dans cette salle. Et pour cela, c'est moi qui... Monsieur le professeur Tarah Ramadan, s'intéresse aux affaires de la culture, que vous êtes disponible et disposé à apprendre. L'invitation que vous avez lancée, je pense aux organisateurs, à monsieur le professeur Tarah Ramadan, est une indication du réel de ce professeur. Et aussi une indication de l'intérêt que vous portez à ces idées. Je vais tenter de présenter le professeur Tarah Ramadan. C'est l'usage. Et puis, il est normal que vous ne soyez pas tous au courant des détails de son itinéraire et de ses réflexions sur l'islam contemporain. Vous présentez son ouvrage nécessite donc de le situer dans l'horizon intellectuel. C'est ce que je vais tenter de faire.
je ne ferai pas d'insulte au professeur Karakhanovan d'être d'une fausse courtoisie ou bien d'une courtoisie qui banalise le discours. Ce n'est pas faisable à personne. Monsieur Karakhanovan a ses idées. Il est présent partout, dans les médias, dans les tribunes, et dans les librairies. Ses ouvrages sont nombreux, sont prestigieux. Voilà un premier mot pour le secret. Il s'agit d'un personnage indiscutablement charismatique et prestigieux. Sa réputation l'a précédé dans ce pays, preuve d'affluence. Dont témoigne cette salle. Vous êtes nombreux qui sont venus l'écouter. On a dû refuser du monde. La salle s'était révélée tranquille. Comment vais-je. Oui, vous savez, vous êtes technicien. Comment vais-je. Vous présentez le professeur Karakhanovan d'une façon objective, qui ne trahit pas sa pensée, et qui en même temps soit une représentation critique, et non pas une audace. Entre universitaires, sur le plan scientifique, l'attitude rotative est stérile. Elle ne fait pas avancer la pensée. La pensée n'avance que dans la confrontation. Pour ma part, vous ne savez pas, sûrement pas. J'ai toujours dit, je ne cesserai de dire, que la religion est la liberté. J'accepte toutes les critiques, voire les insultes. On m'a bien désigné comme un apostat. Qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a inscrit sur mon front. On a ceinturé ma maison d'inscriptions dont voici la traduction. Chien, apostat, ici la maison de Satan. J'ai trouvé que c'est normal. Tout à fait naturel. Une seule chose m'a choqué. C'est lorsqu'on m'a dit que ma tête est mise à pied et que celui qui me tuerait ferait une bonne œuvre vis-à-vis de Dieu. Mais c'est le discours du salafiste. Du salafiste djihadiste. Pour eux, c'est le pouvoir de tuer ceux dont l'esprit porte atteinte à la religion. Et le sharia est très net. Tu es l'apostat.
Malik, l'homme vénéré dans ce pays, vous le vénérez. À ma manière. Si vous lisez, vous allez trouver que vous êtes vraiment des gens fermés. Il est clair que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. C'est évident. Autant le professeur Tahramaval est attaché à l'Echéria, farouchement attaché à l'Echéria, il en est le défenseur, il n'en changerait pas un seul iota. C'est normal. On a la foi ou on ne l'a pas. Lorsqu'on a la foi, on ne l'a pas. Le charia, pour ce que je dirais tous les musulmans, presque, est sacré. Certains veulent l'inscrire dans notre constitution. C'est normal. Écoutez, je vous demande. Bon sujet. Ne dites pas, pourquoi nous avons ici, il y a des gens qui représentent les trois mouvements salafistes qui avaient demandé ma vie. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je suis l'homme de la liberté. Vous avez bien compris ce que vous avez dit. Et avant que vous soyez venu pour bien. Si vous êtes assez abruti pour désirer cela, continuez à m'interrompre. Comme ça, la lumière avant, tout le monde, et je serai le premier. Si c'est ce que vous désirez, peut-être y a-t-il des gens qui le désirent. Si vous désirez que cette réunion avorte, il n'y a rien de mieux que de m'interrompre. Il n'y a rien de mieux que de faire cela. Alors je prie. Je ne vous demande pas de me suivre.
interdit même de me suivre à tous ceux qui ont une foi telle, d'une telle fragilité, qu'elle n'accepte pas une parole différente. Si vous le permettez, je vous dis, je ne vous demande pas de m'aimer, d'aimer mes œuvres, d'accepter mon attitude. Je ne vous demande rien. Vous êtes venu pour écouter, soyez conséquents avec vous-même. Écoutez. Et ensuite, commentez. Alors, je vous dis. Je ne me suis pas sous la même longueur d'onde avec le professeur Tarkhamaba. Il est fermement pour le chéri. Alors, voici le profil du professeur Tarkhamaba. Vous êtes un salafiste rigoureux. Nous assistons au même phénomène chez nous. Seulement, cela n'implique pas pour autant, et j'insiste là-dessus, que vous êtes un frère musulman qui se déguise comme disent vos adversaires. Mais à la première fois, d'ailleurs, le mouvement des frères musulmans n'était pas un parti politique. Avec des adhérents cartonnés. Vous n'avez jamais été cartonné comme frère musulman. Mais vous appartenez à la même mouvance d'esprit. C'est votre milieu naturel. Le milieu de la charia. Les défenseurs de la charia dans son plateau. Et pour cela, on vous doit tout le respect. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Nous avons même besoin de gens comme vous. Allez. Exigeant,
adhérons avec à la charia, avec foi et conviction. De la charia, nous venons de notre épreuve globale. Elle est sacrée. Vous vous présentez comme un réformiste modéré, cependant. Pas forcément aussi dans l'Occident, d'ailleurs. Dans notre monde, de l'Occident, dans lequel on peut trouver à vos usuels, à condition du respect mutuel. Là, d'accord avec vous. Vous cherchez avec l'Occident des accommodements qui respectent les consciences musulmanes, intransigeantes sur le respect de la chair. Et là, il faut. Autant dire que c'est la quadrature du cercle. Comment un pays occidental accueillant une communauté musulmane importante puisse faire de sorte qu'il respecte la conscience de cette communauté. Elle lui assure une vie selon la charia. Charia et les lois de la République sont incompatibles. L'Occident vit ce drame avec ce communauté musulmane. Dans votre ouvrage, jamais vos œuvres sans en tirer un seul propos. Parce que j'y trouve en moi le contrepoint de ma ligne de pensée. Et on doit toujours chercher le contrepoint de la ligne de pensée pour vérifier si ce que l'on pense résiste à la pensée de l'autre. Dans votre voyage, donc, aux sources du nouveau musulman, j'insiste sur le mot nouveau, vous voulez rénover la pensée musulmane. Moi aussi, dans toutes mes œuvres récentes, il est inscrit rénovation de pensée. Mon ouvrage sur Jésus et l'histoire en titre pour rénovation de la pensée musulmane. Mon ouvrage à Benoît XVI, je lui réponds, porte le titre au-dessus, rénovation de la pensée musulmane. Vous rénovez la pensée musulmane, je rénove la pensée musulmane, pour chacun à sa manière. Dans cet ouvrage, votre, je lis le titre de l'ouvrage, aux sources du renouveau musulman, d'El Afrani
à Hassan el-Banna, un siècle de réformisme musulman. Vous inscrivez dans ce siècle de réformisme musulman, en continuité avec Al-Afghan, Abdou, Rachid Jira, etc. Nous aussi, en continuité. Dans cet ouvrage, c'est normal. C'est votre grand-père qui tient la place. Vous y faites commencer la liste des réformistes auxquels nous appartenons par Mohammed ibn Abd al-Wahhab. 1703-1792, le fondateur du wahhabisme. Aujourd'hui conquérant, vous ne cachez pas votre sympathie pour ce réformateur dont le message, vous dites, dont le message est fondé sur la fidélité au message de l'islam. De là, en soutenant le courant, voilà, il n'y a qu'un mot. J'aime un courant wahhabite pour tout le monde. Dans le fond, la position. Mais c'est là, on ne peut pas l'unir. Entendons par fidélité, votre fidélité, ce que vous appelez fidélité au message de l'islam, entendons là fidélité à la conception, fidélité à la conception que Mohammed ibn Abdouaïd se faisait de l'islam. Il y a un monde entre fidélité à l'islam. L'islam, c'est le Coran. Pour moi, c'est le Coran. Et entre la conception que Mohammed ibn Abdouaïd se faisait de l'islam. Mohammed ibn Abdouaïd prenait sa conception et se faisait de l'islam pour être l'islam intégral, total et unique, le seul bon et le seul vrai. C'est son droit. Or, et là est le hic, c'est par le sabre qu'il avait imposé sa conception de l'islam. C'est indéniable. Historiquement, les faits sont là. On ne peut pas les nier. Il a même dessiné les gens de toute une ville. C'est par le sabre qu'il avait imposé sa conception de l'islam au profit de la famille des Saouds. C'est l'alliance classique, l'historien, du sabre et du goupillon, de l'homme politique et le goupillon de l'ulema. Toutes les dynasties musulmanes avaient trouvé des ulémas pour les soutenir depuis les origines jusqu'à ce jour. Rappelons-nous les ulémas de Tunisie sous Ben Ali, lorsque j'allais à la mosquée, chantaient tous la gloire de Ben Ali. Aujourd'hui,
ils ont changé. L'homme qu'ils sont. J'ai assisté dans les mosquées aux prêches. Et je sais pourquoi je parle. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته beaucoup plus qu'être surpris par le message d'introduction dont je ne peux ne pas être d'accord avec la substance mais dont je pense qu'on doit le respect à la forme. Et si j'ai magnifiquement... On va se mettre d'accord tout de suite. J'ai une petite fatwa personnelle. Et la fatwa personnelle, c'est que pendant les 45 minutes de mon propos, j'aimerais que vous n'applaudissiez jamais. Merci. En l'occurrence, s'il vous plaît, on va simplement s'écouter. N'applaudissez pas. Si ça vous plaît, ben, vous le gardez. Si ça vous plaît pas, vous le gardez quand même. Et puis on essaye de s'écouter. Mais je connaissais les divergences de vues que nous avons avec le professeur Mohamed Talbi. Je ne m'attendais pas à ce que l'introduction soit de ce type, parce que le sujet c'était le livre, et que là on n'a pas touché au livre. Mais encore une fois, la substance, pour moi, je l'entends, je l'écoute, je ne suis pas d'accord avec la façon dont ma pensée a été traduite, mais ce qui me choque le plus, c'est quand même l'attitude de la salle. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment,
encore une fois, par respect pour celui qui vient parler, même si moi, à des moments donnés, on est venu me dire que même par ma gestuelle, je pouvais donner l'impression que je ne respectais pas. Non, je n'étais pas d'accord avec la substance, mais je reste quand même respectueux de ce que la personne a à dire. Mmh. Et donc, quand on fait venir un penseur de votre pays, avec lequel vous pouvez ne pas être d'accord, mais qui a des choses à dire, le respect, c'est de l'écouter, puis ensuite, après, on bon. Je vais avoir de la peine à me faire comprendre sur les applaudissements, mais enfin bref. Maintenant, sur ce que vous avez dit, j'y reviendrai, mais je vais me concentrer surtout sur le propos de la journée et du livre et de ma visite ici. D'abord, simplement par commencer vraiment par vous remercier encore une fois de cette présence, remercier les organisatrices et les organisateurs, au premier rang desquels, bien entendu, la librairie et le Kitab. Et puis, de vous dire que ça fait longtemps que j'espérais pouvoir revenir en Tunisie, pouvoir revenir échanger, revoir ce qui se passe dans ce pays. Et puis, aussitôt, avant même de commencer mon propos, de vous dire quelle est vraiment votre responsabilité. Le but d'aujourd'hui, c'est pas forcément de venir écouter un propos de quelques minutes, puis après de partir, c'est peut-être d'échanger, mais aussi pour moi, dans le cadre de cette visite, de partager avec vous le sens de ce que je considère comme votre responsabilité historique. Quand je vois la salle, vous êtes très jeune en majorité, et donc en l'occurrence, c'est vraiment de porter un projet. Vous ne vous êtes pas débarrassé d'une dictature pour simplement être passif et attendre que ça se passe. Aujourd'hui, on ne peut pas être assis et jeter le reproche et le blâme à tous ceux qui sont aux affaires et qui ne font pas ce qu'on aimerait qu'ils fassent. C'est aujourd'hui aussi de se rendre compte qu'en tant que femme, qu'en tant qu'homme, qu'en tant que citoyenne et citoyen, il y a des responsabilités majeures et qu'il faut s'y engager et ça va demander beaucoup de travail. La route est très longue encore pour parvenir aux voies de la démocratisation, de la transparence et de l'équilibre dans la société. Ce que j'aimerais dire par rapport à l'introduction, encore une fois, je suis toujours surpris qu'on prenne une thèse de doctorat qui parle de la pensée des autres comme étant la traduction de ma pensée à moi. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé vers la première thèse de doctorat sur Nietzsche ? Et que vous citiez ce que dit Nietzsche en me le proposant comme étant ma pensée. Pourquoi faut-il que vous ayez choisi une thèse en disant tout ce qui est dans cette thèse est votre pensée ? Non, j'analyse la pensée d'autrui. Mais ce n'est pas forcément ce que je pense. Et si vous voulez penser à ma place ce que je pense parce que tel est mon sujet d'étude, eh bien, c'est une pensée par médiation qui n'est pas légitime. À partir d'un certain moment, pour savoir ce que je pense, il faut lire ce que j'essaye de traduire. Et vous vous rendriez compte que sur le concept de Sharia, qui est un concept de référence, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus, mais le mot ne dit rien si vous n'allez pas chercher la définition que j'en donne dans au moins 4 ouvrages où je travaille le concept, où je donne une dimension de ce que c'est que la voie de la fidélité, qui n'est absolument pas la lecture littéraliste et de l'application sans réflexion, de la référence à l'ijtihad comme mode de pensée fidèle au principe premier, mais dans l'expérience historique et de l'application dans le temps. Si vous alliez un peu plus loin que simplement le fait de dire « dès que le mot Sharia apparaît, ça veut dire que vous êtes un littéraliste salafiste wahhabiste », on ne va pas s'en sortir. Le début du débat intellectuel, c'est « donnez-moi la définition des mots ». Qu'est-ce que vous voulez dire par le mot que vous employez ? Et vous allez vous apercevoir que tous les savants, dès le début, eh bien, utilisent le mot « Sharia » avec des connotations, des définitions et des perspectives qui sont différentes. Le mot ne dit rien si vous n'avez pas pris le temps d'en considérer la définition. Et donc, je suis un tout petit peu surpris que vous m'ayez réduit en répétant pas moins de 15 fois le seul fait que je fasse référence à la Sharia. Je vous donne un exemple qui a beaucoup surpris un certain nombre de mes interlocuteurs et musulmans et de confessions non musulmanes d'autres traditions. Je dis par exemple que quand je suis en Occident, moi j'ai fait passer ma vie en Occident, j'ai écrit des livres qui sont sur les fondements
de la tradition musulmane sur le plan du droit, et puis la dimension de la sira et les sciences islamiques. Ça, c'est des... Et puis il y a des livres qui sont sur les sociétés majoritairement musulmanes, comme le dernier, puis il y a toute une série de livres qui sont sur l'Occident et l'expérience occidentale. Et je dis, contrairement à ce que disent tous ceux qui ont une pensée de la laïcité qui est aussi intégriste que ceux qu'ils rejettent sur le plan de la religion. Vous avez des laïcs qui sont intégristes, ils ont transformé la laïcité en une nouvelle religion d'État, où il y a des absolus qu'on ne touche pas. Ça existe, ça. Mais oui, mademoiselle. Et même si... D'accord. Excusez-moi de mon ignorance. En l'occurrence... il y a ceux qui transforment la laïcité en une idéologie qui est proche de la religion, et puis il y a on avait hier Jean Bobéreau qui dispute avec eux en France, et puis à ceci, il y a cette idée que dès que l'on fait référence à une source qui serait une source qui serait propre à la religion chrétienne, juive ou musulmane ou bouddhiste, eh bien, on ne se rencontre pas. Or, si vous comprenez l'essence même de ce que c'est que la charia en islam, qu'est-ce qu'elle vous dit du point de vue de la loi? Elle vous dit qu'un homme, riche ou pauvre, noir ou blanc, doit être traité égalitairement par rapport à la loi. Lorsqu'on, je suis en Grande-Bretagne, quand je suis en Suisse ou en France, et que dans la loi de ce pays-là, on me traite égalitairement, théoriquement, comme tous les autres citoyens, eh bien ce que je dis, c'est que ceci, c'est ma charia. Je ne l'oppose pas, je dis c'est ma charia. Le traitement égalitaire des hommes et des femmes devant la loi, c'est ma charia. Alors vous voyez bien que le concept de charia ne m'exclut pas, mais il me fait rencontrer des horizons universels différents. Si déjà vous aviez pris ça comme exemple, et non pas ce que vous pensez que je pense par la pensée d'autrui, eh bien nous aurions pu aller plus loin dans la discussion. Le chapitre pour moi est clos, et ce n'était pas vraiment ce dont je voulais parler. Aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est un tout petit peu la substance de ce dernier ouvrage et puis de mettre en évidence, pour le temps qui m'est imparti, un certain nombre de réflexions que j'aimerais partager avec vous. Dans le but, non pas simplement de traduire une pensée, mais de soulever un certain nombre de questions et que ces questions soient également des responsabilisations spécifiques, au bout du compte, la responsabilisation de chaque citoyenne et de chaque citoyen ici en Tunisie, dans la collaboration que nous pouvons avoir au-delà des deux rives de la Méditerranée.